Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test gameplay découverte de Captain Tsubasa Rise of the New Champion sur PlayStation 4, édité et développé par Bandai Namco, sorti officiel le 28 août 2020 et Peggy nous le déconseille au moins de 7 ans. Note moyenne approximative de 14 sur 20, qui est plutôt une bonne note pour un jeu qui est adapté déjà d'un manga. On sait tous que la plupart des jeux qui sont adaptés de films ou d'animés, quand un jeu sort après une édition originale, ça fait généralement pas très très bon ménage. Mais celui-là, je suis agréablement surpris. Je vous en parle avec plus de détails durant une phase de gameplay, mais d'abord le menu. Vous avez donc l'aventure. Le jeu vous proposera de faire l'épopée du jeu Captain Tsubasa, que l'on appelle aussi Olive et Tom chez nous en français. Et vous avez aussi une sorte de Dream Story où est-ce que vous allez pouvoir créer votre propre joueur et accompagner Tsubasa, ou Olive si vous préférez, Olivier, durant les championnats du monde, en compagnie bien sûr de Tom qui reste le gardien hors pair des cages de l'équipe du Japon. En affrontement, vous pourrez donc du coup choisir n'importe laquelle de vos équipes ou faire des tournois en ligue ou même une des séances de tir au but. En affrontement en ligne, je n'ai pas à vous expliquer, c'est du ligne. L'entraînement, perfectionner votre shoot pour améliorer votre skill. Et l'éditeur ultime, on s'y attarde un tout petit peu. Gros point positif sur ce putain de jeu incroyable. Pour une fois, on a absolument tous les joueurs de l'animé. Tous, je dis bien, tous les pays, toutes les écoles que l'on a pu voir dans cet animé. C'est génial, c'est du pur fanservice. Vous pouvez bien sûr modifier n'importe quel personnage ainsi que celui que vous avez créé. La boutique PJ pour pouvoir acheter des maillots, des coupes de cheveux, bref, du personnalisable. Et enfin, modifier bien entendu une équipe. Donc je me suis permis de créer une Dream Team avec les meilleurs joueurs que l'on a pu connaître. Vous voyez, vous avez le collège Nankatsu dont fait partie Tsubasa, la Toho Academy où est-ce qu'il y a Mark Landers, mais dans la version originale il est appelé Kojiro Hyuga. Vous avez donc les équipes, il n'y a pas l'Allemagne parce que je n'ai pas encore terminé le jeu et on débloque les équipes au fur et à mesure que l'on les bat dans le championnat international. Vous avez donc la fameuse Dream Team dont je vous parle, où est-ce que j'ai pu mettre tous mes joueurs préférés, les plus gros, avec un overage incroyable pour cette équipe, elle a eu des stats folles. En pointe, en attaque, donc je vais faire comme si vous ne connaissiez pas Olive et Tom, ou Captain Tsubasa, appelez-le comme vous voulez. Moi, je suis tellement habitué à Olive et Tom parce que je l'ai dévoré dans les années 90, ben, en VF forcément, il n'était pas proposé en japonais. Donc, nous avons Napoléon, qui est l'un des meilleurs attaquants de l'équipe de France, qui peut être comboté, bien entendu, avec Pierre, son binôme de toujours, pour faire la fameuse attaque de la Tour Eiffel. Très stéréotypé, vous allez me dire, mais bien entendu, les animés dans les années 90. Nous avons deux blondes dans mon équipe, dans mon 11 titulaire, et ce sont des blonds aux yeux bleus. À croire que pour les Japonais, la race aryenne a laissé des traces pendant l'occupation allemande. Donc, c'est tellement Godwin ce que je dis. Vous avez donc ensuite Hyuga ou Mark Landers, le fameux attaquant de pointe avec son fameux tir du tigre. Je ne pouvais pas passer à côté. Tsubasa, donc Olivier, que vous pouvez avoir en tant que milieu offensif. Le meilleur de tous, forcément. Overage 169, c'est incroyable. Mitsugi, c'est un peu mon personnage préféré avec Pierre, qui pour moi représente le meilleur joueur français de tous les temps. Mais Mitsugi, c'est un peu... c'est le joueur dont j'ai eu un peu pitié au début pour lui, car si vous ne le savez pas, il est atteint d'une très grosse maladie cardiaque qui l'empêche de faire un match complet. Il ne peut jouer qu'une mi-temps. C'est pour ça qu'en fait, il est décisif. Ils le font jouer ou en début ou à la fin dans son équipe. Et il est capable de marquer plein de points en seulement une simple mi-temps. Et pour moi, enfin, et en plus, il joue latéral, donc c'est à croire qu'il cherche vraiment à pousser son cardio au max. J'ai ensuite pris Diaz, un milieu hors pair dans l'équipe d'Argentine. Vous avez ensuite Soda, un très bon défenseur que l'on rencontre dès le début de l'animé avec Olive qui affronte son équipe. Robson, la fameuse forteresse anglaise lorsque le Japon affronte la France pendant la Coupe internationale. Jito, également une forteresse mais aussi au Japon. Jean, le meilleur défenseur français qui soit, rien ne passe avec lui. Et Wakabayashi, connu aussi sous le nom de Tom dans l'animé Olive et Tom, qui est le meilleur gardien de tous les temps. Dans les remplaçants, je me suis permis aussi de prendre Hernandez, l'un des meilleurs gardiens, si ce n'est le deuxième meilleur gardien du manga, quand il arrête le fameux tir de la feuille morte de Olivier. En plein tournoi, il fait une passe courte à ras de terre vers Olivier, qui est son adversaire. Il lui dit « Vas-y, tire-moi dessus, j'ai envie de voir si je peux l'arrêter. » Et il stoppe son fameux tir d'une seule main. Un brillant défenseur italien. Dirk et Galvan, bon, un petit peu mis par défaut, mais ce sont des piliers aussi pour leur équipe en défense, mais bon, pas plus retenu que ça.
Cruyford, bon, Brian Cruyford, c'est une grosse dédicace à Johan Cruyff, un très très bon attaquant néerlandais. Ensuite, j'ai mis l'un des meilleurs milieux je me rappelle plus de quelle équipe c'était. Je crois que c'est quand ils affrontent la... C'est pas la Jamaïque, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Quand ils affrontent le Sénégal, c'est un joueur qui laisse des traces. Matsuyama, bon, c'est un ami de toujours de Olivier, mais bon, voilà, je l'ai gardé juste pour le côté RP de la chose. Et Victorino, en Uruguay, c'est le meilleur attaquant qui soit, et c'est non seulement aussi le personnage le plus rapide du jeu. Après, donc du coup, cette précision sur tous les joueurs, je me devais de vous faire cette précision, car je vais jouer forcément avec cette Dream Team pour vous montrer le plus d'effets et le plus de fanservice possible. Mais d'abord, on va aussi quand même faire un petit match d'exhibition pour vous montrer un petit peu les débuts de Olive dans l'animé Captain Tsubasa. Je me permets donc de vous montrer l'entrée des joueurs. Ce sont des petites animations qui sont sympas, qui rajoutent un petit peu plus de dynamisme au jeu. Mais bon, on n'est pas là pour regarder tout ça. On va directement faire le match. C'est le début de la carrière solo. C'est le fameux moment où il y a donc dans la période, dans l'histoire de Tsubasa, le fameux tournoi du début de juillet, le fameux tournoi Chizuoko, où est-ce que nous affrontons le fameux Quatuor d'Otomo. Et il va donc falloir les affronter, les battre. À savoir que le jeu vous occupe environ 17 gigas de votre espace de stockage. Vous avez des petites descriptions pendant les temps de chargement, ça vous fait un petit peu de lecture pour vous faire passer le temps. Les temps de chargement ne sont pas très longs dans ce jeu, mais sont quand même assez nombreux. C'est un petit point négatif quand même. Et parfois j'ai aussi repéré une caméra, parfois trop proche du joueur, ce qui fait qu'on ne voit pas le joueur arriver sur nous. Vous l'aurez compris, c'est donc un jeu de foot, mais c'est un jeu de foot très arcade, et vous allez le voir très très vite. Le but est de passer en force vos adversaires, et vous avez une barre d'endurance au-dessus de votre tête. J'y arrive à peu près, ça va, mais il faut aussi savoir faire les passes au bon moment. Vous voyez le pet qui m'a pris, il n'y a pas d'arbitre dans ce jeu, donc tous les coups sont autorisés. C'est un espèce de Smash Bros version foot. Ça me rappelle un petit peu le côté arcade qu'il y avait dans des jeux comme le Blitzball disponible dans Final Fantasy X. Ça me rappelle exactement ce système de jeu où est-ce qu'il n'y a vraiment pas vraiment de règles, et seule votre question de placement et de timing fera de vous un très bon joueur dans ce style de jeu. Enfin, un jeu de foot arcade dont on rêvait, et pour moi, je le dévore depuis que je l'ai. Même si on n'est pas fan de la licence, mais qu'on aime ce style assez rétro-arcade d'un jeu qui est censé avoir de nombreuses règles, où est-ce qu'il faut agir avec minutie et précision. Non, pas besoin, vous concentrez un tir, le tir va de suite dans les cages, c'est juste du timing à gérer. Vous allez me dire, mais s'il n'y a que ça à faire, il y a très peu du coup de données dans le jeu. C'est un jeu fanservice, je vous le rappelle. On reçoit toute l'histoire de Olive et Tom en HD, s'il vous plaît, pas avec les graphismes de l'époque. J'avais oublié à quel point Nita est un perceur de folie avec son fameux tir du faucon. Et c'était sans compter la superbe défense. Donc voilà, il n'y aura pas de... oui, il n'y a pas plus de choses à faire que ça, mais on peut profiter du coup d'un match de foot assez animé. Vous le voyez, il y a des cinématiques qui se lancent, on reçoit vraiment tout le style du jeu, c'est exceptionnel. Ce qui vous permet ensuite de reprendre à un certain moment où la cinématique s'est arrêtée. Des cinématiques peuvent même être lancées pour reprendre des phases importantes de l'animé où est-ce que Olive met un but, et ça vous met un but de plus alors que vous n'avez rien fait. Ou alors, quand c'est l'équipe adverse qui est censée marquer contre l'équipe de Tsubasa, eh bien, vous allez en prendre un malgré vous alors que vous aviez une défense de folie. A vous de concentrer le tir pour faire descendre la barre d'endurance du gardien, qui est la plus grosse de tous les personnages sur le 11 du terrain. La fameuse barre qui ne se régène jamais jusqu'à que vous la fassiez complètement tomber pour qu'il y ait un but, et qui se remettra à 100% par la suite, c'est celle du goal. Donc ça reste quand même un jeu de placement, c'est un jeu quand même qui est assez technique, on est sur un tactical soccer. Rien de plus, rien de moins, mais je trouve ça monstrueusement efficace, et pour ceux qui n'aiment pas forcément FIFA, mais qui apprécient le simple fait de marquer des buts, qui ont une perspective du foot-soccer assez large pour se dire « j'ai pas envie de m'y mettre dans un jeu trop complexe, mais je veux quand même m'amuser et tirer »,
Oh là 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 là. Je l'ai fait rentrer dans les cages, c'est incroyable, merci Tepei. Incroyable. Voilà, c'est juste du fun ce jeu, c'est juste du fun. Il ne coûte pas le prix fort, dans la plupart des magasins, il est à 59€ et vous l'aurez sûrement moins cher en grande surface. Mais pour ce prix-là, c'est banco, je pouvais pas m'y refuser. Sachant que vous avez une flopée de DLC gratuits pour ajouter plein de personnalisations. Non, vraiment, niveau contenu, on s'est clairement pas foutu de votre gueule, et je vous le répète à nouveau, j'avais récemment fait le test de One Piece Pirate Warriors 4, et je trouve ça toujours dommage de ne pas mettre la totalité du roster de tous les personnages que l'on connaît dans un animé. Vous allez me dire, dans One Piece, forcément, il y a plus de 500 personnages que l'on connaît au moins de nom, impossible de le mettre dans un jeu. Mais là, quand même, 11 joueurs par 11 joueurs par 11 joueurs, ça commence à faire pas mal, et il y a énormément d'écoles, d'équipes, de pays, on les a tous dans ce jeu, et ça, c'est génial, je trouve ça exceptionnel. Pour le match qui se déroule actuellement, je ne jouerai qu'une mi-temps parce que le niveau n'est pas très haut, ce sont des joueurs un petit peu lambda que l'on oublie avec le temps qui ne seront pas sélectionnés dans l'équipe internationale du Japon. Pour la plupart, on va dire que 80% d'entre eux resteront chez eux à le regarder à la télé. Donc c'est pour ça que je décide de jouer qu'une mi-temps. Mais c'était un moment quand même assez important, c'est là où est-ce que l'on voit la première adversité que rencontre Olivier. Car il faut se rappeler qu'à ce moment-là, pour ceux qui ne le savent pas, il souffre de douleurs récurrentes à l'épaule et les matchs qu'il dispute n'arrangent vraiment rien. Il se reçoit des balles, il fait des mauvaises chutes, c'est tout un ensemble qui lui fait limite tourner de l'œil la plupart du temps durant les matchs. Alors que ma zone n'est pas encore terminée, je suis encore aux trois quarts. Oui, je vous en ai pas parlé, je l'ai activé sans vous en parler. Vous voyez cette barre jaune en bas des joueurs qui diminue petit à petit. Vous rentrez en zone. Pour tout ce qui est animé, rentrer dans la zone signifie que vous allez dépasser vos limites pendant un certain temps. Un petit peu comme c'est assez utilisé dans la VF de Kuroko Basket. Quand ils se surpassent, ils deviennent des demi-dieux pendant quelques secondes, quelques minutes pour les plus aguerris, et ça leur permet de faire des passes, des dribbles exceptionnels comme je suis en train de faire. Je dribble toute l'équipe, c'est incroyable! Alors que Tepei arme son shot, il n'a plus assez d'endurance, sûrement le gardien. Non, il en avait assez. Ouh, le prochain but, tu vas le ramasser, je pense. Hein. Ichijo, tu vas te... Faut juste bloquer Nita dans cette équipe. Même si bon, on parle d'un quatuor, il y a que Nita qui est vraiment intéressant dans ces quatre-là, dans ces quatre adversaires. Quand le goal repousse la balle, remettez-vous à l'endroit où la balle va retomber. Vous n'avez pas à bourriner vos touches pour la récupérer. Le joueur le plus proche de la zone d'atterrissage du ballon récupérera la balle automatiquement. Croix pour faire des passes, carré pour tirer, rond pour faire des longues passes ou des centres. R1 pour sprinter et R2 pour faire un dribble au bon moment quand vous voulez passer en force. La barre jaune dont je vous parle, voilà, vous voyez, elle est en train de remonter petit à petit. Et celle des adversaires également, parce que quand vous perdez, elle monte quasiment non-stop. Donc ça ajoute une difficulté vraiment supplémentaire. Et celle-là, elle va rentrer parce qu'il n'avait plus assez de force, le gardien. Et oui, Taki, premier but. Lui aussi, qu'est-ce qu'il était bon au tout début de l'animé. Il est retenu, c'est un personnage récurrent, mais bon. Il est très vite remplacé à son poste. Il y a quand même Mark Landers qui joue, donc bon. Il ne peut pas trop rivaliser avec le tir du tigre. Vous allez pouvoir rencontrer plein d'aspects que vous avez connus dans l'animé, si vous ne le connaissez pas. Il y a plein de rebondissements, notamment avec le fameux tir du tigre de Mark Landers, qui devient le néo-tir du tigre. Parce qu'il se fixe de nouveaux objectifs, il veut devenir le meilleur numéro 9 au monde, alors que de base il se cantonnait à simplement être meilleur que Tsubasa, que Olivier. Et quand il aura des rêves plus grands, il deviendra meilleur avec ses shoots, vous savez, l'ambition donne des ailes, enfin bon, je ne vous apprends rien sur des espèces de petits dramas scénaristiques évolutifs des animés. On s'y connaît assez, et puis de toute façon si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un minimum de bagages, je suppose. Pas forcément dans l'anime en lui-même, mais dans l'histoire même du manga, en général. Alors que Nata fonce avec le tir du faucon.
C'était le fameux moment où il ratait, oui. Parce qu'il avait besoin de gagner en précision. En tout cas, c'est très intéressant. Si vous êtes vraiment un peu pointilleux sur l'aspect du lore, sur l'aspect scénaristique du jeu... Attendez deux secondes, je vais avoir un duel. Quand la balle est interceptée en même temps par vous et un adversaire, vous avez une phase de QTE rapide à faire pour pouvoir essayer de prendre la balle pour vous. J'active ma zone et Taki fonce droit vers les buts. Il n'y a plus personne. Mais bon, il a assez d'endurance donc il va forcément l'arrêter. Même pas, même pas. Je l'ai remis dans les buts, mais c'est incroyable. Mais reste-y dans tes filets. Bon allez, 3 minutes de temps additionnel, il rentre en zone à 8 secondes de la fin. Ça ne suffira pas, messieurs. Allez, on va faire un match plus intéressant maintenant. Je vous ai parlé de moments qui étaient inclus dans les matchs. Vous avez également des cinématiques qui sont tirées directement de l'animé. Et ça, c'est encore un super point positif, je vous laisse en profiter. フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた。屈辱を晴らすためにな。ああ、その通りだ。俺様に任せとけ。目標は全試合ハットトリックだ。守備は俺が引き受けた。1点もやりはしない。俺たちの目標はただの優勝じゃない。全勝しての完璧な優勝だ。 Rentrons enfin dans le vif du sujet avec une bonne équipe en face. J'ai choisi de combattre l'Italie tout simplement parce que, si vous l'avez remarqué en début de vidéo, je vous ai présenté mon 11 de légende et je n'ai que le goal remplaçant qui est italien. C'était pour avoir que des adversaires que je n'ai pas dans mon équipe. C'était histoire d'ajouter un petit peu de diversité. Alors que Napoléon se fait faucher, incroyable. Il faut surtout que je fasse gaffe au latéral gauche italien. Il est très 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 fort. Donc comme vous pouvez le voir, les balles vont beaucoup plus vite. Vous pouvez mettre une impulsion avec R1 pour récupérer la balle plus rapidement si vous ne l'avez pas dans les pieds pour y aller plus vite, mais vous consommez énormément de votre barre d'endurance. Fait que se tacler. Pas trop à percer. Si, parfait, Pierre qui perce, magnifique. J'avais pas un minimum de barre jaune, j'étais que dans le rouge, donc je pouvais pas faire une deuxième esquive. Quand vous êtes dans le rouge, vous pouvez pas faire d'esquive, et surtout, vous ne pouvez quasiment pas tacler. Ou alors, il aura énormément de facilité à vous contrer. Alors que Napoléon bouscule, oh là 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 là, mais quel français vigoureux. Je n'ai fait que son tir de niveau 1, mais bon, le gardien italien, il lui en faut beaucoup plus. En tout cas, si vous êtes encore à ce moment-là de la vidéo, c'est que le jeu vous plaît, mais là, c'est à moi du coup de vous montrer tout ce que vous aviez raté jusqu'à présent. Oui, on peut le placer, le néo tir du tigre, j'ai chargé deux fois ma super attaque. A savoir que quand vous n'avez plus d'endurance, si vous arrivez à esquiver deux fois, vous récupérez à nouveau 100% de votre endurance. J'ai fait une énorme marque et une énorme ligne de terre devant les cages. Bien entendu, le terrain se dégradera en temps réel. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bien fait de mettre Jean et Jito à côté en défense. S'ils essaient de me percer vers leur gauche, ce sera impossible pour eux. Encore un tir de niveau 1 parce que j'ai pas trop le temps pour faire du 2. Et ça rentre. Et ça rentre. C'est le français, c'est Louis-Napoléon qui met le premier tir. Honneur à la France. On ouvre le score. Je vais pouvoir me mettre en zone. Elle est prête. On va juste d'abord que je récupère la balle. Voilà. Allez, là on déconne plus.
On va essayer de faire jouer les autres personnages. Hein. Allez, tu peux me refaire une deuxième esquive. Oh oui, 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 la deuxième esquive. En plus, elle est animée, elle est toujours plus bien plus magnifique que la première. La deuxième est toujours toujours plus stylée. Oh oui, un tir de niveau 2, un tir glissant. Le fameux tir. Le coup de pied marteau qui est dans le ballon. Oh là 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 là, et 2-0, ouverture par les deux Français. Du 11 titulaire, incroyable. Oh là là, Pierre, c'est vraiment... C'est mon joueur préféré, c'est mon personnage préféré dans Captain Tsubasa. Suivi du personnage dont je vous ai dit qui a d'énormes problèmes cardiaques et qui ne peut faire qu'une seule moitié de terrain. D'ailleurs, quand je vais en avoir l'occasion... Quelle facilité de dribbler avec Tsubasa, mais c'est incroyable. Est-ce que je vais faire mon néo feuille morte? Oh oui, 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 ça charge très vite. Le tir de la feuille morte en néo, incroyable. Mais je vais essayer de lui passer la balle à celui qui a des problèmes cardiaques, parce que sa feinte de balle, son deuxième dribble, c'est le plus beau de tout, je trouve. Il a une aisance avec les pieds, ce mec. Oh là 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 là. Ouais, non, mais Tsubasa, il est vraiment au-dessus. Hein. Enfin, c'est forcément le meilleur joueur, vous allez me dire. C'est Olivier, mais bon. Là où Olivier est le meilleur en milieu, nous avons Tom qui est au cage et qui attend patiemment qu'on lui tire dessus. Ce qui est plutôt sympa, parce que les goals qui sont récurrents dans l'animé ont des façons différentes d'arrêter... Ah, merde. D'arrêter les balles. C'est assez stylé. Oh, Conti. Lui, il est horrible. Sur l'aile, c'est... Et mais tu... Et sans déconner, mais me donne pas raison non plus. Oh, voilà. Jean, la muraille. Il est beaucoup plus maigre que Jinto et pourtant, il n'y a rien qui passe avec lui. Oh là là. Jean, il est aussi décisif que... Sur les latérales défensifs... Il est aussi décisif que Patrice Evra à l'époque de Manchester United. Quoi. C'est un croqueur de génie, ce mec. De toute façon, enfin, le Japon a toujours eu ce petit kiff pour la France. C'est d'ailleurs sur l'overage, sur le rating, sur la note moyenne que l'on donne aux équipes. Le Japon est forcément la meilleure dans le jeu. C'est le jeu japonais, vous allez me dire, forcément. Mais la deuxième meilleure équipe du jeu, c'est la France. Dans la moyenne des personnages. Allez, hop, je récupère toute ma barre parce que j'ai réussi à dribbler une deuxième fois. Centre. Et il l'arrête, hein. Il l'arrête. Mazon est encore prête. Hein. Les pauvres Italiens, ils vont ramasser. Tant que ce n'est pas le latéral italien qui a la balle, personnellement, j'ai pas trop peur. Vous allez me dire, c'est très très simple, j'ai les meilleurs joueurs de chaque pays avec moi. Mais bon, on est dans un jeu fin de service. Donc, voilà, je vous montre des retournées, les meilleurs tirs de chacun. Je suis là pour vous en mettre plein les mirettes. Son tir, incroyable. Alors que John Luigi Buffon japonais remasterisé Jap est en train de dégager, la balle ne fait que passer entre chacun. Ah là là, mais je vais pas arriver à dribbler avec mon cardiaque là. Mon asthmatique, comme je l'appelle. Allez, essaye. La première, la deuxième. Putain, ça passera pas. Faut que je vous montre le deuxième dribble. Oh là là. Itsugi, il faut qu'il dribble une deuxième fois. Oh mais Jean, il est incroyable. Ça fait deux fois qu'il arrête tout d'un coup. Allez, premier. Deuxième. Oui. Oh là là. Vous avez vu comment il décale la balle avec le pied là? C'est incroyable. Il met son pied en équerre. C'est fou. Oh, il a des tirs mais tellement beaux, tellement aériens. J'adore ce personnage. Et y a faute, monsieur l'arbitre. Ah non, je déconne, y en a pas d'arbitre. Eh bien, heureusement, parce que c'est Conti qui avait la balle, et la mi-temps est sifflée. Donc, on va essayer de montrer diverses choses. Ah oui, quand même, 61-39. Je vais faire des changements, histoire de vous montrer d'autres joueurs, d'autres techniques, si je le peux, hein, de toute façon. Je suis là, avec ce Dream Team, je suis là pour vous montrer le plus de choses en termes de fanservice. Je vous montre pas le scénar, je vous montre pas la Dream Story, parce que c'est quand même à vous de le découvrir, on va quand même limiter le spoil. Mais mon but est quand même de vous faire découvrir le jeu, quoi. On va jouer RP. Il est censé pouvoir jouer qu'une mi-temps. Donc on va le remplacer par le Sénégalais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Oh ben, je vais mettre les deux attaquants de toute façon, je pense. On va mettre Cruyff à la place. Vous avez vu le néo-tir du tigre de Mark Landers, donc j'ai plus besoin de vous le montrer.
Et Victorino, faut que je vous montre sa vitesse de pointe. Vous allez voir, vous allez penser que la vidéo vient de passer en x2, en vitesse. C'est abusé. Même s'il n'a pas un overage excellent, je crois qu'il est à 109 de général, alors que tous les autres attaquants sont au moins à 125 minimum. Mais lui, il se différencie tellement par sa vitesse. Oh, il vient de il m'a enrhumé deux fois le bâtard. Oh là, oh, faut qu'il se calme là, l'italien là. Ça, c'est leur attaquant phare. C'était sans compter sur Pierre El Cid pour mettre un bon petit coup d'épaule dans le dos. Oh là là, il passe en zone. Ah, peut-être un retournement de situation. Una remontada. Et oui, Tom vient d'arrêter la balle avec une aisance exceptionnelle. Wakabayashi dans la version originale et nous on l'appelle Tom. Ça me fait toujours rire de voir que les noms sont remplacés par des noms tellement courts et européens. C'est trop drôle. Jito Mamurai, parfait. Ah là là, j'essaie de faire percer Yuan Cruyff depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. Allez. Oh, quand ça veut pas, ça veut pas. J'oublie à chaque fois pourquoi Cruyff, en fait, je le prends pas. Parce qu'il est très bon pour des tirs, mais en fait, il est bon lorsqu'on lui fait une passe D. Et que tous les défenseurs sont derrière, parce que lui, en dribble, il est pas... Oh, il est pas ouf du tout. Puis en plus, je tombe sur un défenseur italien d'exception. C'est chiant. Rien n'est en ma faveur. Oui, parfait. Ouais, forcément, à la seconde, ça échoue. Mais le Sénégalais là, présent sur l'aile droite, qui vient de faire une première dribble. Aïe aïe aïe, il s'est fait prendre par Torino. À pas confondre avec Gran Torino, la voiture. Clint Eastwood, tout ça, vous connaissez. Je suis trop drôle, ta gueule. Alors, vitesse de pointe. Vous voyez Il est trop rapide. Merde, je suis pas assez puissant, ça. J'étais dans le rouge pour tenter un tir. Vous voyez comme il est trop rapide. Il est impossible à arrêter. Impossible. Vous êtes obligé de prendre un défenseur pour le prendre de face, en fait, si vous voulez l'arrêter. Oui. Allez, enfin. Ouais, oui, bon. Trop gourmand. Bon. Si je l'éliminais pas, de toute façon, il pouvait pas tirer. Conti arrêté, magnifique. Senghor toujours sur ses appuis. Non, plus du tout. Il est dans les airs, maintenant. Bon. Quand il y a Jinto ou Jean, Conti ne peut rien faire, mais bon. S'il essaie de percer mes autres défenseurs, je pense qu'il me trouera comme un gruyère. Diaz, le milieu. Milieu argentin. Oh là 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 là. Enfin, une passe en super qui est donnée au Sénégal. Et ça ne rentre pas. Ouais, toujours au plus de 3 quarts la barre d'Hernandez. Buffon en a encore sous le coude. Oui, j'ai pas assez de puissance, c'est pas vrai, c'était rouge. Putain, c'est fou, il lui faut au moins la moitié de sa barre d'endurance pour faire un tir à Crawford. Ah oh ouais, ouais, non, je me rappelle en fait pourquoi je le mets pas. Loin de moi l'idée de dire qu'il est mauvais même dans l'animé, hein. C'est le meilleur attaquant néerlandais que vous trouverez. Une grande dédicace à Johan Cruyff, donc ils se sont pas foutus de sa gueule, bien entendu. Oh là 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 là, mais quelle rapidité, mais si, calme-toi, calme-toi. Enfin, je dis Messi. En plus, il fait partie de l'Uruguay et non de l'Argentine. Oh, ça rentrera pas, hein. Je suis trop rapide avec ce perso. Mais ils peuvent pas m'attraper. C'est fou. C'est incroyable. Petit duel. Allez, Crawford. Et ça rentre sur un duel gagné. Ça y est, t'auras enfin mis ton but. Toi, je te fais plus jouer maintenant. Comme vous pouvez le voir, c'est très... je vous l'ai dit, c'est très fanservice, c'est très action, ça vous en met plein la gueule. C'est juste fait pour plaire, quoi. On est là pour s'éclater, à se foutre des grosses beignes. Mais bien entendu, le mode en ligne est bien meilleur pour pouvoir affronter qui vous voulez. Il y aura toujours plus de challenge, à savoir que vous affrontez quelqu'un qui est derrière la manette et non un ordinateur. Et Pierre qui se montre enfin, on l'avait pas vu depuis un petit moment. Crawford qui se fait tacler, la classique, on va appeler ça la classique maintenant. Alors que le Sénégal, solide sur ses appuis, qui avance, qui fait un premier dribble avec aisance, mais se fait intercepter.
ça me repousse dans mes envies de commentary gamer. L'époque où je travaillais au Meltdown quand je commentais les matchs de Rocket League ou de Mortal Kombat. Jean qui arrive, solide, toujours son uppercut. Oh là là là, en plus j'arrive à dribbler avec lui, mais c'est fou, il est trop bon. Ça y est, il passe en zone. Alors qu'on a bientôt fini. Ah, la 60e ça s'arrête, c'est 30 minutes. Bon, je pense que je pourrais pas montrer davantage. J'ai pas assez de temps. Oh, cette vitesse. Au moins, je vous aurais montré quelques tirs, quelques passements. Et les meilleurs joueurs de la saga, forcément. Et non, c'est arrêté. Les 3 minutes additionnelles, elles sont pour moi. Crève qui se fait tacler. C'est une partie tout à fait normale. Oh! J'ai Jito qui est tombé, quoi. Allez, est-ce que j'ai peut-être... Ah non, j'y arriverai pas. Hein. Solide sur la défense. Si même Tsubasa se fait tacler. Enfin voilà, c'est terminé. Bon, et bien en espérant que je vous en aurai montré assez pour vous donner la hype de vouloir tester ce jeu, franchement je le trouve génial. Si vous aimez le foot mais que vous n'aimez pas les jeux trop techniques comme FIFA, Captain Tsubasa est tellement fait pour vous. J'espère donc que ce test gameplay découvert vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao.